Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Destiny, les parties privées ont été lancées tout juste il y a une heure. Et du coup, on s'est dit, on va faire un cache-cache. Donc nous, on faisait des cache-cache à l'ancienne sur Call of Duty, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a plein qui en ont fait. Et on s'est dit, on va essayer d'en faire une sur Destiny. Donc, je suis accompagné, alors là, il y a beaucoup de monde, il y a Joker Swag. Yo. Il y a Poséidon. Wesh. Il y a HVW. Salut. Il y a GKab. Bonsoir. Il y a Killer. Wesh. Le bruit que vous avez entendu, c'était le chien qui est en train de s'étouffer, je préfère prévenir. C'est pas quelqu'un qui vomit, c'est notre chien qui s'étouffe. Voilà. Merci le chien. Vas-y quoi, t'as niqué l'intro. Il y a Amarial. Salut. Killer, salut. Je t'ai dit ou pas, ça fait que de changer les noms dans l'ordre. Ouais, bah oui, du coup, ouais. Oui, bah bonjour en vrai. Et du coup, il y a Lady, la meilleure pour la fin. Salut. Voilà, donc on va faire un cache-cache. Alors le but du jeu déjà, c'est simple, on a mis l'élimination. Alors normalement, un cache-cache... Eh hey, les gars, essayez qu'il y en a un qui rejoigne les oranges pour voir Poséidon ou Joker. Non, ça a pas marché, mais... Ah, ça marche. Ah non, non, non. Les gars, c'est les deux qui rejoignent, ça marche pas. Non, donc ça marche pas, on peut être que 6 maximum par équipe. Du coup, il y aura deux loups, donc ça va être Poséidon et Joker Swag. Ils vont devoir nous chercher. Le but du jeu, nous, on va avoir en gros 30 secondes pour se cacher dans la map, n'importe où. Donc j'ai lancé de l'élimination en... Attendez les gars, en fait, on est bêtes. Élimination, mais il n'y a pas élimination en mode infernal. Il va avoir le radar du coup. Y a pas ouais, c'est la daube. Et ben attendez, au pire, dans les paramètres, il n'y a pas un truc pour désactiver le HUD? Non, par contre, il y a une possibilité, c'est qu'on remet le mode qu'on faisait, mais on met dès qu'il y en a un qui meurt, il se met dans l'équipe adverse. Ah oui, pas con ça. Il se met dans l'équipe adverse, ouais, c'est pas con du coup. Ouais, on va faire ça, du coup on va refaire parce qu'en fait on avait un problème avant, on a essayé d'en faire une en escarmouche. En... Non, c'était pas en escarmouche. Si, en escarmouche. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on peut changer d'équipe pendant la partie? Ouais, c'est ce que je me demande. Faut mourir, je crois. Hein. Je pense que c'est faisable, faut regarder dans les options. Mais je crois que c'est. Il faut mourir, je crois. Limite de temps, les 10 minutes, avantage de lumière, moment de la journée, on a décidé de mettre nuit parce que les diables voulaient mettre nuit. Et du coup, on s'est dit, allez, on a déjà fait une map tout à l'heure, on a déjà fait un petit essai, donc là on va changer de map, les gars. Je vous propose. Ah, il y a le bastion qui la pourrait être pas mal. Le bastion. La cour de la veuve. Bon, allez, on met la cour de la veuve. En vrai, s'il y a deux loups, l'effondrement cosmique, ça peut être pas mal. La map, elle est très grande, mais comme ils sont deux. Ouais, mais c'est une map avec des véhicules normalement. Oh, t'as vu la map où il y avait les TP. Non, on va mettre la cour de la veuve. On va mettre la cour de la veuve, les gars. Et du coup, le but du jeu, je vous ai pas dit, c'est que tous les deux, ils doivent nous trouver et nous tuer. Nous, on n'a pas le droit de tirer. Si on les voit arriver, on a le droit de partir en courant pour essayer de les esquiver. On n'a pas le droit de tirer. On a les 6 oranges, ils ont tous mis normalement, s'ils ont bien suivi, l'agilité au minimum. Et du coup, et ben, c'est parti, allez. Ouais, du coup, on essaie de changer de partie d'équipe quand on meurt. Ouais, ça, on peut. On va voir ça. On se calera, je sais pas comment on fait, mais... C'est L1 ou R1 normalement. Et ouais, quand tu joues, je sais pas. Ouais, je sais pas. Pas grave, on dit on ira tous dans un coin de map et... Oh, on se met tous dans un coin de la map au pire. Et du coup, ouais, on se mettra tous dans un coin... Eh, vous savez quoi? On se met tous... Vous savez à l'endroit où ils se mettent tous les snipers sur la petite corniche là dans la map? Ouais, ouais. Je vois un peu quelle map on fait, donc... Oui, si. La cour de la veuve, c'est juste à côté de l'église. Et bon, on se met tous là. Si jamais on peut pas changer d'équipe, on se met tous là. Et du coup, je sais pas si vous faisiez des call off avant. Nous, on faisait avec Lydie, on a fait plein de soirées en des cache-cache et tout. Franchement, c'était terrible sur MW2, MW3. Ah, non, c'était pas moi. Moi, je connais pas. Avec les doubles triangles, on se mettait en camouflage sniper, double triangle pour faire le mort. C'était terrible. Moi, pas connaître. Une autre Lydie. Dans un autre monde. Call off. Avec. Oh, yes. Ça, c'est vrai. Le pré-shoot là c'est juste droite. Ah ouais, d'accord. C'est la petite corniche en fait. Ouais. Ah, celle qui est juste devant le camion là. Bon, quand on meurt pour se cacher, c'est bon, ça compte pas. Escarmouche. Ah, on meurt pour se cacher, non, ça compte pas. Non, par contre, du coup là, je crois que j'ai mis 10 minutes à 9 minutes 30. On va dire à 9 minutes 30, vous venez nous chercher les gars. Allez, c'est parti. Vas-y, on se retourne. On tire les sur les corbeaux. Ah là, par contre, pour se cacher ici, mon gars. C'est de la merde. Alors, attends. Attends que je trouve un truc. Ça va être tellement chaud. Cette map là. Elle est géante là. Comment déjà stressé là. On du coup faites gaffe à l'inactivité hein, comme moi tout à l'heure.
J'ai trouvé un spectre. C'est joli en fait. J'ai trouvé un spectre, je vous le montrerai tout à l'heure. Vas-y. On fait ça avant de quitter. Je vous ai pas dit du coup si. Les gens, en fait, il y a des spectres sur chacune des nouvelles maps PVP, il y a des spectres. Ah, je me cache là, je sais même pas si on veut ou pas. Attendez, je regarde un truc. Merde, on a loupé le timing. Attends, je suis pas caché. Ah ouais, mais moi j'attendais. Alors les gars, par contre, faites gaffe parce qu'il y a l'inactivité. Je vais monter un peu le son du jeu pour les entendre. Ouais. C'est intelligent. Je pense que je vais me faire tuer en premier, je sais pas pourquoi, ça sent la connerie de merde. Moi je suis tellement mal caché. Moi je suis tellement caché de ouf, gros. Moi ça va. Je me plains pas. Moi je suis à un endroit, vous allez rigoler quand vous allez me voir. La concentration est à son maximum. Ouais, j'ai mis la tuée ce con. Ça tire là, non? Ouais, il m'a trouvé direct ce bâtard. Poséidon First Blood. Première mort, First Blood. Eh, tu peux changer d'équipe, killer ou pas? J'ai entendu les dernières paroles. Ah, Poséidon, non, mais enfin, je sais pas. À coup sûr, t'étais dans une fougère, je me suis dit. Killer, tu peux changer d'équipe ou pas du coup? Attends, je regarde. Non, je peux pas. Ouais, non, ça m'aurait étonné aussi. Ça aurait été trop beau. Merde! J'étais en train de changer de casque pour que tu le vois pas, putain! Non, en fait, je suis passé à côté depuis, j'ai vu une eau, enfin, une sorte de mur. Alors, comment on peut changer d'équipe? Je cherche pas, j'ai la meilleure cachette. On peut peut-être pas, c'est peut-être voulu. Hein. Mais t'es en vrai position, t'as la chatte de me trouver. Franchement, s'ils me trouvent pas, les mecs. Alors, okay, attends. Pour pas me voir, là. Gardien à terre. Ah non. Oh, le bâtard. En plus. Je sais pas comment on change d'équipe. On peut pas, je crois. Ah, en fait, ils sont tous les deux. Attends, c'est qui? Ah non, ok. On sait où le truc de merde. Oh, débarre, Mario. Le bâtard. Vas-y, elle était trop bien, la cachette. Ah bah, j'ai trouvé le spectre aussi. Ouais, t'as vu? En vrai, il est pas très bien caché. Celui-là, il est pas très bien. Il est où le spectre? Il est. Je te montrerai quand on aura. On va le prendre à la fin de la partie. On va le prendre à la fin de la partie. Oui, bah on fera pas. Est-ce que vous avez vu ou pas les autres? Ce bâtard. Elle est tombée. Ah, je vais poser Lady. Ah. Oh. Ouais. Tiens. Regarde où je suis. L'opposé, l'autre côté. Ah, les gars, restez tous au même endroit parce que sinon ils vont être perdus. Ah ouais, il est là. Yoda, il est déjà mort? Ouais, regarde. Hein? Yoda, il est déjà mort ou pas? Non. Ah le bâtard, il m'avait vu. C'est fait. Ah, on voyait fort, on voyait bien ou pas? On le voyait pas beaucoup hein. C'est vrai? Ça, je vais le vainqueur. Ouais. Ah ben, si ça veut ma cachette. Attendez, il reste qui en vie? Tu vois, regardez pas, c'est mort. Mais ça rien de me tuer, bon. C'était fini? Ouais, ça, je vais gagner. Ouais, y'a pas beaucoup de cachettes. Ouais, mais après, si tu mets trop grand, après, c'est un. J'aurais pu monter dedans. J'aurais pu monter dedans, regarde là, on voyait. On voyait. Et où le spectre? Il est là. Alors, le spectre, c'est là où il y a Yoshi. Ah oh ouais, j'aurais été. Là, on voyait fort là d'ici, regarde. Yeah. Eh, hey, killer, on voit bien ici ou pas, regarde. Retourne-toi, gros. En vrai, c'est une cachette. Ici là. Non, regarde la Maria. Accroupis-toi, regarde. Je suis accroupi. Ah, on doit trop. Bon, ouais, il est où le spectre? Ah bah voilà, les gars, donc on aura au moins le premier spectre qui est donc sur. Sur la cour de la veuve, il est juste ici, on va regarder. J'étais à 5010, je crois. Ah, il donne. Ouais, 5 points de grimoire. Ça va, 5 points de grimoire par carte à prendre en fait, ça va quand même. Franchement, ça se prend. Bon bah. C'est moi qui bug. Je pense que du coup. Non, peut-être moi qui bug. Du coup, je vous propose limite. Nous, on va vous laisser ici, les potes, et on va aller chercher tous les petits spectres défunts. À la limite, on fera une petite vidéo. On aura trouvé tout ça. Le mec il avait du flèche, comment il a fait pour te tuer? C'est pas en fait, vraiment en pas une lumière rapide, mais il est nul. Bon allez les gars. Voilà, en tout cas, c'était le premier cache-cache de l'histoire de Destiny, je pense. Alors voilà, je sais que c'est dans Call of Duty, quand même, ça rend mieux. Après, à voir, peut-être on en fera d'autres, on va voir. Faudrait trouver des bonnes cachettes et des bonnes maps. Ah. Tu bugs de ouf.
Un bâtard. Enfin bref, allez, je vais couper la vidéo ici. Merci d'avoir regardé. Et puis bah merci à ceux qui ont participé. Et à très bientôt, prenez soin de vous les potes. Tchuss. Salut. Salut. Adieu. Adios, ma rigueur.